Septembre 2019, c'est la date à laquelle les habitants de la métropole pourront découvrir la nouvelle place Tourny. Explication des nouveaux aménagements. L'arrivée du tram nous a, je dirais pas obligé, mais nous a permis de valoriser le site de Tourny. La place Tourny est transformée en un véritable giratoire qui permet donc une circulation fluide et qui devrait sensiblement améliorer la circulation des usagers. Pas de goudron pour la voirie, le choix a été fait envers des pavés à liant hydraulique, très résistants sous une circulation lourde. Cette phase de chantier s'achève pour laisser place à l'aménagement piéton. Actuellement, on est en train de terminer la partie chaussée. La future voie, la voirie définitive. Les riverains circulent sur la partie extérieure de l'anneau pour pouvoir terminer la chaussée sur la place Tourny. Une fois la chaussée achevée, on rebascule la circulation sur la voirie définitive. Et à partir de là, on va pouvoir libérer l'espace pour attaquer les trottoirs, la réalisation de l'ensemble des trottoirs sur la place. Du granit, du calcaire et de la cale, de la céramique bordelaise pour orner les espaces piétons dans une zone autorisée au vélo. La fin des travaux est prévue pour la fin septembre, donc pour l'instant on s'y tient et on espère que tout se passera bien. Trois groupes de fontaines viendront animer l'espace, le tout sous les yeux de la statue de l'intendant Tourny, qui au XVIIIe siècle voulait faire de Bordeaux la plus belle ville du royaume.